On doit trouver Antoine là pour le match, hein, du coup. Allons le défier en duel comme il se doit. Antoine! Antoine, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Oh, c'est pas vu Antoine! Antoine! Tu l'as vu Antoine, nous? Antoine, il joue à la pétanque, je crois. Ah! Non, toujours pas là. Hein. Antoine! Vous l'avez retrouvé ou pas? Non. C'est incroyable ça! Incroyable! Petitieux! Et voilà. Oh, mon adversaire. Oh, non, non, non. Antoine! Antoine, c'est l'heure là. Je te défie! Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tour numéro 2 du tournoi Super Fantasy Brawl Mythic Attack. Je sais plus quoi le nom. Pour le tournoi Mortal Mythic Attack. Et bah, nous accueillons directement Naël D, la moustache. Bienvenue, bienvenue. Un plaisir de vous accueillir ici. Ouais, c'est pour la partie, ça, du coup. C'est pour la partie, du coup. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Antoine. Encore pas du Antoine. 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 Ah. Ok. Ok. On cut. C'est aujourd'hui. Et donc, comme prévu, cette partie avec nos opposants qui sont enfin mis en place, j'ai l'impression. Voilà. Ah, tiens. oui. On va falloir se réveiller là pour gagner par contre. Allez, let's go. Bon, bah alors, comme tu es très éveillé, je vais prendre les devants et lancer cette pièce pour savoir qui va démarrer cette compétition. Et c'est à toi. C'est moi, toujours. Je vais commencer par replacer mes copains. Voilà. Son tour au milieu et sa copine chat à côté. Pioche tes 5 cartes. Ah oui. Et place tes 2 pièges. C'est vrai qu'il y a des cartes dans ce jeu. Disons là. Là. Il y a moi. Je vais donc placer mon petit Jacques le Beau sur mon aile droite. Ainsi que mon petit Goldar au milieu qui protégeront tous deux ma petite Calyse. À piocher 5 cartes. Ah, c'est 5, c'est bon. D'accord, ça. Des mathématiques. Au réveil, c'est pas facile. Réveil, oui, on va dire ça comme ça. Et mes 2 pièges. Un premier petit piège ici et un deuxième par ici. Ça, ce sont des pièges de bonne facture. La somme, c'est de partie, pas toi. Oh, j'aime pas la violence. Voilà, donc on a déployé la première carte objectif. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Il y a un peu si tu l'oses. Moi j'aimerais bien, ça a l'air sympathique. Et bien à toi de jouer. D'accord. Je vais commencer par petite énergie rouge. On joue un contrôle mental. Donc d'abord elle se déplace de 2. Ici. Puis tu vas défausser la carte du dessus de ton deck et j'aurai transfert 2 sur directement sur le coup de Trafalgar. Et c'est une carte de Goldar. Goldar. Si je ne m'abuse, tu peux me déplacer Goldar de 2 zones. De deux zones, exactement. Ah, Goldar ira dans le piège qui se trouve juste devant. Ici là, celui sûr. Absolument. Et c'est donc un enracinement. Ah, Goldar l'enracine. Le faire bouger ce tour-ci. Une énergie jaune, jouer contemplation, me permet donc de piocher 2 cartes, de planifier 2, et je vais planifier ces 2 cartes. Ma dernière énergie bleue, on va jouer la grâce féline, encore une fois avec Zinchen qui me permet de sauter et me déplacer de 3 cases. Ici me paraît plus adéquat. Une belle fin de tour, je vais défausser ma main. C'est donc à moi de jouer. Considéré comme un forfait, ça?
On continue. Ah, bon. D'accord. On a besoin de contenu. Ah ouais, d'accord. Bon. C'est à vous, monsieur le moustache. Ouais. Non, mais je sais, mais... Bon, nous, on me prévoit ici, on me prévoit. Ne me pressez pas. Ça va, je prends le temps nécessaire pour faire les choses nécessaires. J'entends bien. Ça, c'est bien dit. Ça, je vais le noter. Utiliser mon corps bleu pour me déplacer de deux zones avec mon petit beau regard. Suite à quoi, je vais utiliser mon jaune pour mettre en jeu en garde. Mmh. Et ainsi venir ici, prestement, au corps à corps, et vous infliger une attaque à 2 de dégâts. 2 de dégâts ? Oui. Putain. Oui. Réagir. Ah, une réaction. Sur la lancée. Oui. Plus un d'armure. Et qui me donne course 1 après l'attaque. Donc je vais ensuite utiliser mon corps rouge, infliger une blessure là et infliger une blessure sur la petite demoiselle. Et ceci marquera la fin de mon tour. Ça tourne là ? Est-ce que tu m'entends, eh oh ? Est-ce que tu me sens, eh oh ? Touche-moi, je suis... Maël ? Non ? Ça, oui. Tourne, ça tourne là, hein. Oui. C'est pas gardé, ça. T'écoutais pas du Brassens, toi ? Bah, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Hein. D'ailleurs, j'avais oublié de replacer le piège que je m'étais pris juste avant. Ah. Excusez-moi. Bien pensé. Ici. Encore jaune. Mon ami ici va se placer juste là. Et pour un corps rouge, je vais jouer dard de lancer avec Sulca sur Goldar ici présent. D'accord. Donc une double attaque à 2 dégâts. D'accord. On s'inflige donc 2. Ah oui. Vous avez oublié de déplacer la carte objectif. Et ça marque la fin de mon tour. C'est donc à moi. Très bien. Donc je vais utiliser d'abord mon corps de création. Utiliser la bénédiction du ciel qui permet à ma petite calice de soigner de 2, enfin d'abord de se déplacer de 2 ici, et de soigner de 2 Goldar, et celui-ci gagne 1 de mouvement et 1 de dégâts jusqu'à la fin du tour. Je vais utiliser mon corps rouge pour utiliser le lancer de harpon sur la demoiselle Sulca. Souhaites-tu te défendre ? Non. C'est donc une attaque à 2. Qui va t'attirer d'abord, subit tes 2 points de dégâts. Je vais t'attirer de 2, donc t'attirer de 1 dans ce piège, qui est un piège à 2 de dégâts, et te réattirer de 1. Voilà, on replace donc le piège. Très bien. Corps bleu, je vais utiliser la frappe de l'ibis, qui donc t'inflige une blessure, et qui après te tirera de 1 sur moi, donc sachant que tu ne peux pas, tu subiras une blessure supplémentaire. Ça t'inflige 2 blessures, tu ne te défends pas. Très bien. Et cela marque encore une fois la fin de mon tour. On repioche une carte et on fait avancer les objectifs. On repioche mes 5 cartes d'ailleurs. Avoir 2 champions plus adjacents à la zone de création. Je vais commencer par utiliser mon corps bleu pour jouer avec Sulca une effigie. Ça me permet de déplacer un héros d'une case. Elle est là. Bien, je vais donc jouer une réaction. On a le droit de faire ça. Ouais, il paraît. Je vais donc jouer la riposte pour mon corps bleu, qui me permet d'avoir plus 1 d'armure, ce qui ne me sert à rien. Mais pour chaque carte rouge que je défausse, par exemple celle-ci que je vais défausser, tu subis une blessure automatique et Sulca meurt donc instantanément. Et mon petit Goldar passe donc au niveau 2. Incessamment souple. Il est maintenant immunisé à la poussée. Et je gagne un petit point de victoire. Rouge. C'est ça, rouge. Je vais jouer à Mind Over Matter avec ma petite Xin Shen qui cible donc une personne à 2 ou 3 de portée. Qui me permet de forcer 1 et ensuite de la pousser. Très bien. Je vais cibler Jacques. Très bien. Le forcer dans le piège.
Ah, très bien, et c'est un piège à une blessure. Et cette attaque inflige une blessure, mais ça, c'est pas. Ici, et donc tu me repousses après, donc forcément ici. C'est ça. Très bien, donc Jacques subit une blessure. Et grâce à ma dernière énergie jaune qui reste, je vais soigner Taz d'une blessure. C'est donc à moi. Je vais donc tout d'abord utiliser mon corps jaune pour piocher 1, me soigner de 1 avec Jacques et me déplacer de 2 ici. Je vais utiliser mon corps rouge pour utiliser attaque coup de grâce qui me permet de me déplacer de 2, de venir ici, et ensuite de vous infliger une attaque à 2 et qui augmente de 1 dégâts pour chacune de mes cartes destruction qui se trouve dans ma défausse. Avec actuellement une attaque à 6, une attaque à 6 contre notre petite Zinchen. Tu as la possibilité de te défendre. J'en ai la possibilité, mais ça ne me sauvera pas. Eh bien, je t'inflige donc ces points de dégâts qui me permettent de passer Jacques et qui finissent de... au niveau 2. Et je vais donc repiocher ma main, donc il ne me reste qu'une seule carte, et remélanger. Ici, c'est un coup de grâce bien utilisé, ma foi. C'est à votre tour de jouer. Oui, vérifie donc vos conditions de victoire. Bien sûr, vous n'en avez pas. Je vais donc avancer ici, prestement, les objectifs, et ainsi placer une nouvelle carte qui nous offre du challenge. C'est par mon petit corps jaune jouer une charge avec mon ami Taz. Et on va cibler Jacques. Ah ! J'ai un déplacement de 1 puis une charge de 3. Ici, cette attaque inflige une blessure plus une pour chaque case parcourue pendant la course. Donc 4. Je vais jouer une intimidation pour le corps rouge qui me fait gagner 1 d'armure supplémentaire sur Jacques. Qui te fait aussi subir peur de te faisant retourner de là d'où tu viens. Ici, mais je subis quand même 4. 4, donc 2. Pour un corps bleu, jouer furie télékinétique, la déplacer de 2 ici, puis faire une attaque double à 2 sur Jacques Lebeau. Subira 2 dégâts. Et ensuite une poussée de 1 dans le mur. Subira donc 3 dégâts. Et avec le dernier corps rouge, déplacer. Vous avez une chaîne ici. Oh, quand j'ai vu mon Jacques à difficulté. Ah, là, je peux dire que j'ai eu chaud, hein. Ah, ça. Ouh. C'est le début de mon activation, du coup, grâce au pouvoir de Jacques. On va donc commencer par un petit lancer de harpon de la part de Goldar. Il va donc avancer de 2 ici et attraper la petite Xinchen en lui infligeant donc 1 de dégâts, mais ayant en armure, ça ne fait rien. Par contre, elle l'attire de 1 dans le piège, immobilisant. Voilà, et de toute façon, elle reçoit une attraction, donc elle subit au moins une blessure automatique. Corps bleu pour utiliser Level Encre, qui lui inflige une attaque à 1, ce qui ne lui fait pas de dégâts. Mais qui lui inflige une poussée 1, et sachant qu'elle est immobilisée, elle subira une blessure automatique. Ce à quoi je vais répondre, je vais jouer Shift the Element, qui donne 2 d'armure, mais ça n'intervient pas ici, mais qui me permet aussi de déplacer l'attaquant. Je déplace dans ce piège ici. Je suis un étourdissement, donc je vais... défausser cette carte, les gars de la marine. Et d'ailleurs, tu dois replacer un piège et moi aussi. Placer le mien forcément ici. Donc, il me reste un corps à jouer. Donc, je vais utiliser ceci pour placer Jacques là et le soigner de 1. D'ailleurs, petit oubli de ma part, mais j'ai actuellement 2 champions niveau 2 au début de mon tour. Et donc, du coup, je devais bien prendre cette carte-ci. Qui me disait d'avoir 2 champions niveau 2 au début du tour. C'est génial, ce qui m'a fait gagner 2 trophées. Voilà. À la fin du tour. Voilà. Il faudra que tu te réveilles, Antoine. Je pense que c'est un peu critique là, la situation quand même. Mais je comprends pas, depuis tout à l'heure, on déplace. Mais c'est quand qu'on jette les dés? D'accord. C'est un autre jeu, ça, on en a parlé. Silence, ça tourne. Mais t'es là, toi? Louis, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je me réveillais. Encore jaune.
attirance de la panthère. Et Xinchen pour attirer de deux Jacques Lebeau qui est à portée. Poule 2. Ah d'accord, oui effectivement. Ah le voilà bien mal en point ce fameux Jacques. Pour mon corps bleu, on va jouer une grâce féline, encore une fois avec cette joyeuse amie. Il va sauter de 3 et pousser Jacques dans le mur. Très bien. Eh bien, du coup, Jacques meurt. Aïe, aïe, aïe. J'ai gagné. Fidèle ami Jacques. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, cher ami. J'ai le droit d'avoir un petit trophée. Oui, effectivement. Vu que vous m'avez tué, je vous offre gracieusement ce trophée. Ah, et Xinchen passe au niveau 2. Donc désormais, à chaque fois que Xinchen déplacera l'un de vos héros, il subira un étourdissement. Bon, il faudra défausser une carte. Et c'est la fin de mon tour. C'est donc à mon tour. Je vais donc utiliser mon corps bleu pour jouer mon Swift Sword Cut, mon coup d'épée rapide, qui me permet d'abord de rentrer dans la zone de jeu. Et ainsi, en ignorant les héros et les pièges, je vais dasher à 3 ici et vous infliger une blessure automatique sur la petite Xinchen. Pour mon corps bleu, je vais jouer sur la lancée, avec une puissance de défense, mais... Ça n'intervient pas, mais qui permet de se déplacer ici. Très bien. Suite à cela, je vais utiliser mon rouge pour utiliser mon coup de grâce. D'accord. Et me déplacer ici en vous infligeant une attaque à 2, plus 1, plus 1. Donc une attaque à 4. Qui vous infligerait 3 de blessures. Si vous ne vous défendez pas, vous allez donc gagner la partie. C'est bizarre, vous l'avez pas déjà joué cette carte ? Je vous expliquerai les règles plus tard, vous en faites pas. Mais allez-y, défendez-vous si vous le souhaitez. Non. Non ? Non. Eh bien, c'est donc la mort de Xinchen. Encore ? Et Xinchen qui est morte. Je gagne donc ce cinquième, dernier et fatidique point de victoire, ce qui m'accorde une victoire écrasante contre un adversaire moins expérimenté, je crois. C'est bon, ouais. Bon bah... Quelle victoire de l'esprit sur la matière. Bon. Vous voulez pas un peu de saucisson, ça vous... J'ai besoin de ça, ouais. Ouais. Bien, eh bien, c'est une victoire écrasante de notre ami Frenchy. Comme d'habitude. Comme, oui, oui, tout à fait, oui. J'ai l'habitude. Ok. Pas. J'espère que vous êtes quand même amusé. Antoine, bon, bah, c'est l'heure de... Bon, bah, attends, mais... On va faire ça. Merci de nous avoir suivis, c'était un très beau combat, je trouve. Et puis, on retrouvera peut-être notre ami Frenchy sur un prochain combat. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Après, c'est pas grave, hein. Ça arrive de perdre. Hein. Ouais, mais j'ai tout donné et ça paye pas. Ah, oh, ben voilà, je les casse. Tu sais que des œufs j'en ai que 6, Louis. Hein. Tu sais, quand tu rigoles comme ça, moi ça me. Hein ? Voilà. Ouais, bah si ça te réveille pas. Hein. Après, on met du tabasco. Ouais, une vraie boisson de gagnant. À la tienne. À la tienne, hein, ouais. Eww. Bah c'est vachement bon. C'est pas que ça va te réveiller. Non, tu vas quand même aller dormir. Bah maintenant j'ai chaud.